Je suis donc au barrage d'Eupen ce mardi 1er février 2022. Au niveau de la météo, il a neigé durant 1 à 2 jours, le 31 janvier et le 1er février 2022, avec une épaisseur de neige avoisinant entre 10 et 15 cm sur le haut plateau Fagnard, au-dessus de 600 mètres, plus bas c'était de la pluie, et donc le barrage commençait à se remplir. Les mesures préventives ont donc été, comme on le voit, d'évacuer toute cette eau qui provient de la fonte des neiges et qui va durer, cela va durer pendant à peu près 2 jours, du moins cette fonte, puisque les températures vont être positives durant ces 2, 3 et 4 février 2022. Comme on le voit, il y a une vanne qui évacue de l'eau par le bas. Elle est tout à fait visible lorsque l'on regarde les graphiques des débits ou des hauteurs de la Vesdre pour Eupen. Comme on le voit bien, le barrage dispose de 2 vannes d'évacuation. Cette vanne de droite, je l'avais vue en action en juillet dernier. Et aujourd'hui, c'est la vanne de gauche.